L'île de la Réunion est championne du monde dans la catégorie de moins de 15 ans, championne du monde non pas en football, mais en lecture de Coran, un titre décroché le 19 octobre dernier à La Mecque, en Arabie Saoudite, lors du 33e concours du roi Abdulaziz, un concours qui réunissait cette année plus de 350 concurrents de 150 pays. La Réunion attendait ce sacre depuis 26 ans. Les deux représentants de la Réunion ont décroché la première et la cinquième place. Et les lauréats sont originaires respectivement de la Grande Comore et de Mayotte. Reportage à la madrassa de Saint-Pierre, Hakim Ali Saïd et Mustapha Boulane. Dans l'ambiance studieuse de la madrassa de Saint-Pierre, deux voix sont une tonalité au-dessus des autres. La première est celle de Zakaria Yahya Saïd. À 13 ans, ce garçon, né d'un père comorien et d'une mère indienne, est le nouveau champion du monde dans la lecture du Coran dans sa catégorie. Et quand j'étais premier, j'ai pensé direct à mes professeurs. Et puis j'allais pleurer aussi. C'était la première fois que la Réunion gagne cet honneur, tout ça là. 26 ans, plus d'un quart de siècle que les musulmans de la Réunion espéraient cette consécration. Un titre décroché il y a quelques semaines en Arabie Saoudite, dans le berceau même de l'islam et face aux meilleurs concurrents arabophones. Il y a eu un effort particulier par rapport à son intonation, par rapport à sa voix, par rapport à sa mémorisation. Un effort particulier en dehors des heures de cours, ce qu'on pourrait appeler ça des cours de soutien, d'accord, en écoutant des CD de Qirat, en écoutant son coach, il y a un coach aussi en la personne de Qadi Saïd Abdou, et puis auprès de moi-même, son professeur. On va dire une conjonction de tous ces efforts a fait que, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, il a été primé premier de sa catégorie. L'autre voix qui fait la fierté de la madrassa de Saint-Pierre et de toute la Réunion islamique, c'est celle de Fasuhuddin Ahmadi, un jeune maoré de 12 ans. Il a terminé cinquième du prestigieux concours international du roi Abdelaziz, un concours de mémorisation et de compréhension du Saint-Coran. Son assiduité a une grande part dans sa réussite. Donc c'est un élève très assidu. Très modeste, hein, parce que très modeste aussi, et qui est suivi par ses parents. C'est ce qui est très important parce que c'est ce qu'on appelle toujours le triangle de l'éducation. Il y a la part de l'élève, la part du professeur, mais il y a aussi la part des parents. Le sacre à la Mecque de ces jeunes a suscité ici à Saint-Pierre un engouement sans précédent dans la communauté musulmane. Les inscriptions au cours de lecture de Coran se sont envolées ces derniers jours. Dans 5 ans, Zakaria et Fasuhuddin remettront leur titre en jeu dans une catégorie supérieure. Ils savent que la tâche ne sera pas facile. Les grands sportifs disent qu'il est plus difficile de conserver un titre que de le gagner.